Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Salam, j'espère aussi que vous allez bien. Je suis vraiment super content. Comme vous le savez, l'iPhone 14, il est grave cher, il est sorti. Avec, on va pouvoir se téléporter dans l'espace, on peut jouer au tennis, on peut tout faire. Et aujourd'hui, on va devoir le gagner. Il n'y en a que un pour deux. Par contre, le défi est simple. Le premier de nous deux qui s'endort, maman, elle lui offre pas l'iPhone, elle offre l'iPhone à deux. Maman chérie, que j'aime tant, merci beaucoup maman. Dans tous les défis, t'as pris le pire. Il est dans le pire parce que lui, c'est le mec qui dort le plus tôt de la maison. Moi, je suis le mec qui dort le plus tard. Et il y a un iPhone. C'est sûr que t'as peur. Je vais faire le faillot, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux participer avec vous. Il est participé à quoi? Au défi que vous allez faire pour l'iPhone 14. En vrai, si tu veux, elle va dormir, elle dort avant 4h. Maman, on voulait te dire un truc. En fait, Myriam, elle a 8 ans et elle veut participer pour gagner l'iPhone. Elle a pas le droit. Si, elle a le droit d'avoir un téléphone. Vas-y. Alors, vous avez une minute pour dessiner un iPhone. Et celui qui fait bien le dessin, il va gagner un iPhone. Non, pourquoi tu me donnes ce feutre-là? Voilà. Allez, je prends du tir pour non, la feuille. Non, mais arrêtez. Je vais regarder le meilleur dessin. Non, celui-là, il est pas bon, ça va disperser la feuille, ça va aller sur la nappe. Ah, ok. Bah, arrête de toucher. Qui disperse pas, donne-moi qui disperse. Donc là, on va faire un iPhone. Ça, c'est mieux. Ouais. On fait okay. Le 14, les gars. Le 14, comment on fait? Ah, attends, pousse-toi. Casse-toi! Mais casse! Non, triche pas! C'est mon téléphone! On doit faire le devant, le derrière! Les tout, elle a dit tout! C'est-à-dire deux trucs! Un devant, un derrière! Je fais ce que tu veux! Ok! Et après, je regarde le dessin qui ressemble le plus! Ok! Il aura gagné! Allez, c'est parti! Mais il marche pas le feutre! Il manque un dernier truc. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que comme pour pas que ma mère soit influencée par chacun de nous, on va mélanger nos dessins et les donner dans le désordre. Alors moi je vous montre le mien, Myriam va vous montrer le sien, Yacine vous montre le sien, ok? En trois dimensions. Derrière on voit. J'explique. En haut il y a l'heure, les appareils photo, la planète, Apple, photo, déverrouillé, son, volume, mais silencieux. Alors ici on a le téléphone en normal, ici on a l'écran, donc ici c'est 17h, là-haut c'est la date, bon j'ai pas pu écrire parce que c'était un tout petit, en bas c'est les informations, ici c'est le fond d'écran. Yacine, à ton tour. Ici on a fait le devant, ici on a fait le derrière, donc le derrière vous connaissez classique, hein, c'est très ressemblant. Le devant pareil avec la planète Terre en fond d'écran, etc. Franchement je pense que le mien il est incroyable. Maman tiens, tu dois choisir, donc il y a trois dessins, on dit pas qui est qui, je dois dire pour toi celui qui ressemble le plus à ça. À l'iPhone. Elle connaît, t'inquiète pas. Je te montre l'iPhone comment il est, regarde. Je te montre comme ça, t'as un comparatif. Là, le premier. Il est comme ça avec le derrière. T'as un comparatif comme ça. Regarde maman, regarde, tu peux regarder. Hein. Regarde mon iPhone. Regarde. Oui, c'est bon, c'est comme bon. Comme ça, c'est bon, ce qui ressemble le plus à ça. Ça, c'est éteint, ok. Ramène, fais voir, on fait montrer lequel qui est éteint. Mais comment c'est éteint? C'est pareil. Regardez. Ça, c'est éteint. C'est pareil. Mais non, mais ça va pas! Oh non! La tête de homme, j'ai gagné! Mais ça va pas! Merci! Ça va rien à voir! Tu vois? Mais frère! Ça c'est Mimi! Ça, c'est en 3D! En 3D. Je l'ai fait en 3D! Ça, non, attends, dites dans les commentaires lequel est le plus ressemblant. Ce mari, t'as toujours été le chouchou de la famille! Non, merci, maman! Merci, on va choisir! Merci beaucoup! Let's go! Du coup, je pars bien pour gagner cet iPhone! Allez, les bolos! A few moments later. Je crois que j'ai peut-être une idée en vrai. Myriam, viens voir, j'ai une petite surprise pour toi. Mais qu'est-ce qu'il veut encore lui? Je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré. Ça sort tout de la boulangerie, c'est bien chaud comme tu les aimes, il y a tout ce qu'il faut. J'espère que tu vas te régaler, Myriam. Merci, fallait pas. Si, c'est. Mange, vas-y, tu peux déguster. Dis bismillah et mange, tu peux taper un petit croc, il y a du lait, il y a tout ce qu'il faut. Et je voulais te parler de quelque chose, Myriam, en vrai de vrai. Mm-hmm. Toi, t'as quel âge? T'as 8 ans? Ou 7 ans? Oui. 8 ans. Myriam, à 8 ans, on profite de la vie, on joue avec ses amis, on mange de bonnes choses. Un iPhone, ça te servira à rien, on est d'accord? Laisse-moi participer. Mais ça te servira à rien. Yeah, tu devrais plus profiter de la vie, aller dehors avec tes amis, faire du foot, du basket, manger des bonnes viennoiseries. Je veux participer. Mais donne-moi 3 bonnes raisons d'avoir un iPhone à 8 ans. Vas-y. Pas pour jouer. T'as une tablette.
faire chier le monde, tu peux le dire, pour faire chier le monde. Thomas, je peux venir à côté de toi là? Viens, t'inquiète. Là, vous êtes chaud là? Vous pensez que vous êtes chaud? Ouais. Je vais vous mettre une vidéo, vous deux là. Je vous reviens dans 10 minutes. Ok? Déjà, une vidéo de quoi? Elle a les yeux tout rouges. Je vais vous mettre une vidéo. Je reviens dans 10 minutes. Vidéo de quoi? Si vous dormez, vous avez perdu. Je me suis levé à 8h donc. Je vais fermer la pièce, vous n'avez pas le droit de sortir de la pièce. Oh là là, mais attends. Comment? Mais t'as pas le droit! Attends, s'endormir rapidement. On va passer. T'as dit 10 minutes, hein. Elle fait. Vas-y, j'en mets une de 19 minutes. Hypnose. Oh là. Et pour le moment, je vais vous demander de faire. Moi, je ferme pas les yeux. Non! Non là. Il veut nous couiller, Younes. Ferme les yeux, toi, il a raison. Vas-y, viens, ferme les yeux. Non, oublie. Hey, Yacine, si tu dors, je te ramène un cadeau. Moi, je sais, je veux pas dormir. Vas-y, bah go. Les gars, on va aller vérifier après quelques minutes, c'est comment. Je pense qu'ils sont en train. J'entends plus rien là. Ça va? Ça va? Il dort pas. C'est un sorcier lui, c'est un de ses sorciers lui! Putain! Du coup, ça va, vous allez bien là? J'ai pas dormi, hein! Fermez les yeux, ah, il me tue! Vous avez j'ai pas dormi! Vous avez pas dormi? C'est carré, vous êtes des boss! Ouais, faut que je fasse un peu de sport si je commence à me réveiller là! T'as pris ma technique, je me suis mis en short et tout, je voulais faire du sport! Y a pas mieux que le sport pour réveiller son corps parce que sinon tu vas t'endormir vite! T'as vu? Tu vas faire quoi là du coup? Ouais, je vais choquer mon corps, hein! Est-ce que t'arrives à refaire des pompes à une main? Je sais même pas! Hein. Essaye pour voir, avant t'étais grave chaud! Moi je sais que j'arrive pas, j'ai jamais réussi à faire la famille. Pompe à une main pour Yacine, est-ce qu'il va réussir? Vas-y, en vrai, si t'en fais 4, je te laisse l'iPhone. 4! 4 pompes à une main, je te laisse l'iPhone. Parce que je sais que c'est impossible, hey. Ok. 4 d'affilée, hein, sans faire n'importe quoi. Ah, oh le gamin, t'as la veine dans le bras! Ouais, fais voir ton bras! Non, tourne-le un peu plus à gauche. Mashallah, il a la veine, moi j'ai pas de veine. T'es pas malade, mais c'est bien. Comment on fait pour avoir plus d'espace? Bah, je sais pas trop, tu te débrouilles, hein. T'as un iPhone 14 en jeu. Le problème, c'est que si je tombe, c'est soit je me prends les haltères, soit je me prends le. Faut que ce soit au côté. Allez, une main, est-ce qu'il va réussir l'Ikhei? Une! Oula! Deux! Oula! Trois! Oula, on voit plus rien! Mais Phil! Ouais, t'avais raté! Arrête de mentir! Dommage! J'ai fait l'écart! Moi, je vais changer d'activité. Vas-y, bonne chance. Myriam, tu veux l'iPhone? Ouais. Moi aussi, je veux l'iPhone. Si on est d'accord que si on élimine Younes, on n'est plus que deux. C'est plus facile. Bah, j'ai un truc à te proposer. Viens, on fait une trêve de 5 minutes. Ok. Accepté? Ouais. Ok. J'ai ici des bonbons qui font dormir. Ça, les amis, ça peut faire dormir un éléphant. Laisse-moi sentir. Tiens, sens. Je vais une mission à te proposer. C'est quoi? Tu vas donner des bonbons à Younes. Tu vas faire genre c'est des bonbons et ça fait dormir. Lui, il ne saura pas. Donc il va manger les bonbons, il va s'endormir. Ça fait un de moins déjà, ok? Mais il est pas stupide, il va jamais les manger. Tu sais très bien, il mange pas de bonbons. Mais tu lui donnes, tu fais comme si c'était des vitamines. Tu dis, je sais pas, c'est de la vitamine C. Invente un mot, il y a ces trucs bizarres là. Tu dis, c'est du magnésium. Et voilà, c'est pas ce que c'est le magnésium. Mais tu dis, c'est du magnésium, une tiens, le magnésium. Il va dire, ok, il va manger. C'est des bonbons comme ça là. On va lui donner ça et c'est parti. Hey, Younes, il y a un truc de malade. Il y a des bonbons vitaminés, frère. Avec ça, genre, ça donne toutes tes vitamines que t'as besoin dans la journée. J'ai grave la patate là. Myriam, c'est pas un truc de ouf? Ouais, mais moi j'en ai mangé un. On est trop énergique, frère. Ouais. Wow. C'est quoi? Test. C'est des bonbons vitaminés. Sérieux? En fait, t'as vu pour le défi, on s'est dit quoi? On s'est dit en mode nous on a pris ça, mais vu que c'est pas legit, on t'en accorde un aussi, comme ça au moins on a nous trois en égalité, t'as vu? Sérieux? Ouais, c'est incroyable. C'est comme l'haricot magique dans Dragon Ball. C'est incroyable, t'as grave de la patate après. Bien vu, les gars. Bon, d'après mes calculs, il devrait dormir dans 1h30. Là, Myriam, je vais te laisser. Je dois faire un tournage avec Younes, je crois. Il m'a dit qu'on doit sortir. Vas-y, tout à l'heure. Là, on sort parce que trop rester à la maison. Après, tu vas dormir. Et du coup, là, on va aller voir des abonnés qu'on n'a jamais vus de notre vie. Avec Ramdan, on leur fait une petite surprise. Non, ouais, qu'est-ce qui m'arrive? On leur fait une petite surprise. Je pense que ça va leur faire plaisir. En plus, je leur ai ramené bien à manger pour les mettre bien. À tout à l'heure. On va partir en visite à des abonnés. Les gars, qui a faim? T'as faim? Tu dis pas à tout le monde, ils vont tous arriver. Parce que j'ai pas pour tout le monde. Tu préfères sucré ou salé, toi? Sucré. Merci. Bah oui, sucré. Non, non, il y a le chocolat. Vous la partagez entre vous. Mais j'aime pas, ils aiment pas les fruits, je comprends pas. Non, moi j'aime les fruits. Ça, vous aimez bien ça? Oui. Ouais. Vous en prenez un chacun. Ok, tiens, tu donnes à tout le monde. C'est toi le capitaine, tu donnes un à tout le monde. Pourquoi on peut pas tout prendre?
Qui veut un sandwich? Il y a pas moi. Okay. Vous partagez, vous partagez. Je promets qu'il attrape. C'est lui. Partagez, partagez, partagez. Et il me reste encore ceux qui n'ont rien eu. Mais toi, va là-bas, va partager. Il est à Carrefour, il fait ses courses, machallah. On va donner un peu de chocolat à tout le monde. Partagez les gars, partagez. Toi tu fais le régime, je le sais. Toi tu fais le régime. Moi, Baraklofik. Wafik Baraka. Tu vas partager avec tous ceux qui veulent, ok? Voilà, on les... Et par contre, tous les papiers à la poubelle, ok? On les fait bien grossir. Après la famille, il n'y a pas que manger. Hein. Vas-y, mettez votre plus grosse frappe. Oh le pétard! Vas-y, à toi, Mohamed Messi! Mais ta plus grosse frappe! Ta plus grosse frappe! Imagine, il met une frappe plus forte! Maintenant Ramdan, le boss final! Laissez Ramdan tirer! Regardez, c'est quoi? Oh là là, elle est à terre, mais elle est puissante! Lunaise, ressaisis! Ressaisis-toi, frère! J'ai grave envie de dormir, Yassine, ouais. Mais t'as un ouf, toi! Laisse-moi conduire! Vas-y, sors! Vas-y, non, sors. Mais attends, c'est bon! Laisse-moi conduire, frère! Vas-y, je vais me garer! Conduis, wesh! T'as un ouf, toi, quoi! Tu vas t'endormir, on va faire un accident! Désolé! Vas-y, ressaisis-toi, frère! Yassine, je me sens vraiment mal, là! T'endors pas, hein! Non! Oh, mais comment tu veux que je m'endors? Tu sais même pas conduire! Mais qu'est-ce que tu fais? T'as eu ton permis où? J'ai eu mon permis. Mais tu savais pas conduire, y'a personne, tu fais des trucs comme ça. J'ai rien fait. Là, quand tu dépasses sur l'autoroute, tu dois mettre des tout petits coups de volant, c'est tout. J'ai mis un petit coup de volant. Oh là là, il m'a fait raf, les gars. Oh putain, je croyais, j'ai grave le seum. Viens, on va voir Myriam, c'est sûr, elle dort. J'ai grave l'aine, je croyais que tu dormais, Ray. J'ai grave mal en plus au ventre. En fait, j'ai tellement mal au ventre que je peux pas dormir. Okay. Le Coran, la famille, le Coran, ça apaise le cœur et ça fait que Myriam elle s'est endormie. Ça c'est fait. Ça n'a pas été trop difficile pour elle. Maintenant, la tête d'homme, tu vas pas gagner. L'iPhone, il est à moi, l'iPhone. Pas s'endormir, on va jouer à un jeu que j'ai joué, ça fait 10 ans que j'y joue à ce jeu. Modern Warfare 3. Au début de la chaîne YouTube, les gars, Code Familia. Pour les premiers qui étaient là sur la chaîne, on faisait ça. C'est pour ça que la chaîne elle s'appelle Code Familia, Code Call of Duty. Et là, on a réussi à télécharger les anciens jeux. Il est sorti en 2010, celui-là, je crois. Ça fait presque 10 ans. Ça fait 11-12 ans, les gars. Il est incroyable. Regardez, Yacine, là, il est contre des gens. En mode, il a son arme allant en or. Et tu dois tuer le plus de personnes possible. Et grave fort, Yacine. Là, tu vas pas dormir de la nuit, là. Hein. Non, c'est mort, frérot. La victoire. C'est quoi? Je dors pas, je te jure, je dors pas. Tu dormais pas là? Non, dès que je ferme les yeux, je fais ça. Oh le iPhone, je vais pas dormir jusqu'à après-demain. C'est les gars, quoi cette technique là? Je vous le dis, jusqu'à après-demain, je dors pas. S'il faut, c'est pas grave. Il m'en faut cet iPhone. 1 hour later. Mais ça, je crois que c'est bon. Pepper n'avait pas de jeu. Putain, j'arrive pas à y croire. Ce galane. J'arrive pas à y croire, il a perdu. Yes. Espèce d'andouille, comment t'as pu t'endormir? Il a gagné à cause de toi. Et toi aussi tu t'es endormi? Oui, mais toi t'es la plus petite. Les plus petits normalement ils dorment jamais. L'iPhone est à moi. L'iPhone 14. Allez bolos, faites plus de défi avec moi, je vous dis. Quel plaisir. Je suis en train de regarder tous les meilleurs iPhones. C'est bon, j'ai trouvé le mien. J'ai pris le iPhone 14 Pro Max en gris argenté. La commande est passée, la famille. Là, j'ai mis la tête à Yassine parce qu'il y a des informations. Le 5 octobre 2022, hein. Bientôt. D'ici... Tu t'es fait couiller? Non, d'ici une semaine et demie. T'as le temps? Non, j'ai tout ça pour rien. Ça passe grave vite. Tu l'auras pas à la sortie? Ça passe grave vite. Moi, je pense que ce serait moi qui aurais gagné et que j'aurais commandé, me l'aurait donné à la sortie. Mais t'as perdu, non? C'est vrai. Moi, je vous laisse là. Dès que je le reçois, Inch'Allah, je fais l'unboxing sur Snap. Donc, venez sur Snap. Je sais que vous n'avez pas eu confiance en moi, bande d'hypocrites.